Worley confirme son grand talent pour accrocher un titre majeur à 23 ans, deux ans après une médaille de bronze à Garmisch-Partenkirchen. Maîtrise absolue, technique parfaite, relâchement impeccable pour la skieuse du Grand Bornand qui a survolé l'épreuve autrichienne en 2 minutes 8 secondes et 6 centièmes. Cette victoire ne souffre aucune contestation puisque le numéro 1 ne l'a pas quitté de la journée, du tirage au sort à la Marseillaise en passant par les deux manches. Une journée idéale avec une impression de facilité déconcertante. Le succès paraît alors évident. L'écart face à la concurrence impressionnant. Les autres médaillés, la Slovène Tina Maze, tenante du titre, et l'Autrichienne Anna Fellinger accusent plus d'une seconde de retard. Tessa Worley aura donc été tout simplement géante, 20 ans après Carole Merle, dernière française championne du monde de la catégorie. C'était à Morioka, au Japon.